et Patrick. Je te le dis quand même. Il arrive dans un instant. Vianney. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. Que t'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Les mots qui viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais vraiment te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà. Oui, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui viennent sont des histoires. J'ai un jeu promis et je dis quand même. Je sais bien. Mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je sais bien que j'ai trop dit. Je sais bien que j'ai trop dit. Je sais bien que j'ai trop dit. Mais je te le dis quand même. Mais je te le dis quand même. Mais je te le dis quand même. Nous aussi, on vous aime. Au violoncelle, Catherine Robert. Vianney, premier invité de Patrick. Vianney.
Des duos comme celui-ci, il y en aura beaucoup ce soir. Beaucoup. On va revisiter toute la carrière de Patrick et toutes les générations sont là. Alors c'est vrai que ça, c'est une chanson également que le public chante à tue-tête tout le temps. Il y a plusieurs chansons dans ton répertoire que le public connaît par cœur et chante depuis très longtemps. Ce sont des chansons qui rentrent chez les gens, ce sont des chansons qui à un moment donné ne nous appartiennent plus et qui font partie d'un quotidien, d'une histoire, qui ont représenté quelque chose à un certain moment, comme pas mal de chansons, enfin ça a fait cet effet sur moi, sur tellement d'artistes, enfin c'est le propre d'une bonne chanson, c'est d'être à la fois très intime et très universel. Alors Vianney. Et lui il en a déjà pas mal de chansons universelles. Pas moins de Patrick. Tu fais partie de cette jeune génération qui connaît le répertoire de Bruel. Carrément. Et puis quand on était en bord de scène là avec mes copains, avant de monter, il y avait un moment un petit medley avec des chansons assez anciennes de Patrick et puis des plus récentes. Et il y avait un petit bonhomme qu'on voyait qui devait avoir 6 ans. Il connaissait tout par cœur. Donc je crois que les bonnes chansons, en fait, elles traversent totalement les âges. Et c'est le cas de celle qu'on vient de chanter. C'est le cas de tant d'autres de chez Patrick. Donc évidemment que je suis familier de tout ça. Alors, le succès de Vianney est totalement mérité. Tu as des albums qui ont déjà culminé à près de 850 000 exemplaires, c'est considérable. Il y a un DVD, un double CD hein, qui vient de sortir. Le 9 novembre, ça va sortir. Et surtout, tes concerts font le plein. Mais il y a une chose qui m'intéresse et qui me rappelle Patrick Bruel, c'est que tu as fait tes débuts au cinéma. Ah ouais. Dans un film de Diane Curie à qui on doit Diabolomande avec Fanny Ardant. Ça, c'est un point commun, car à 27 ans, il avait déjà commencé une carrière d'acteur. Moi, j'ai commencé avec Arcadie, qui est Arcadie, Diane Curie. C'est là où on s'est connus. C'est la même famille. Oui. Et c'est un signe que Vianney démarre avec Diane. Et en plus, je crois savoir, puisque certaines personnes que je connais ont vu le film, que non seulement le film est très réussi, mais en plus, il est extraordinaire dedans. Ah, merci. Merci beaucoup. Et je voulais dire qu'en effet son DVD sort la semaine prochaine et on a chanté, je te le dis quand même ici aussi, parce que dans ce DVD il y a ce moment extraordinaire qu'il m'a permis de vivre à Bercy, parce que je suis allé chanter ça avec lui sur scène et c'était extraordinaire de voir à quel point déjà dans son jeune parcours il y a déjà une telle maturité, une telle relation forte avec les gens, une telle relation forte avec la musique. Il a intégré tellement de choses. Ouais, il a déjà tout compris. Je vais poser la question. Il est au début de quelque chose. Oui. Inouï, je crois qu'il n'en a même pas encore conscience. Non, mais je t'ai posé la question. Je dis comment tu vis cette notoriété, ce succès mérité, légitime et considérable. Et tu m'as dit, je m'amuse. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me permet de vivre des choses dingues. Franchement, ce moment-là, moi, de vivre ça. Là, je suis pas une émission de télé. Quand je chante avec Patrick, c'est extraordinaire. C'est un moment avec plein de gens qui reprennent la chanson. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est quand même que des moments exceptionnels, singuliers et une chance, quoi. On va vous retrouver tous les deux pour un duo surprise tout à l'heure. Ouais. Mais d'abord, on va tout recommencer. J'ai commenté, moi, beaucoup d'images qui ont été très, très bien montées, qui retrace toute la carrière de Patrick. On revient 35 ans en arrière et on commence avec un sujet, un magazine que je vais commenter, très court, mais qui dit tout et qui concerne un album culte où il y avait Alors Regarde. Regardez ces images, elles vont vous rappeler de forts souvenirs. Merci Vianney, tout à l'heure. Merci à vous. 20 ans.